Allez, par cette belle journée de printemps, il fait un soleil agréable, très agréable même. On va aller au rassemblement de Houdan. Ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas été à cet endroit. A tout de suite. Non, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le lieu de rassemblement. Mais je pense que ça devrait se faire. A tout de suite. Bon, on a trouvé le site. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'ouverture. Mais tiens, on voit des voitures. Donc, je pense qu'on va y arriver. Voilà, on n'avait pas trouvé l'entrée. Mais ça va pas tarder. Alors, allez, où cette entrée? Les voitures, elles arrivent de par là. Maintenant, on n'arrive pas à trouver comme... Là. Ah, là. Non plus, on peut pas. Si, par là. Non. Oui, non. Ouais, une petite chance, je sais pas. Bah, faut pas être bien large pour rentrer là-dedans, mais c'est par là. Effectivement, c'est pas facile de trouver l'entrée. Il faut pas être très large, mais visiblement, d'autres voitures ont réussi, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Nous y voici. Sur Houdan, il y a quelques voitures. Je crois que c'est une association qui démarre depuis 2-3 ans. Là, une Jaguar, une MK quelque chose. Je sais pas quoi. Enfin, peut-être une MK10. J'en connais un qui va me donner la solution après le film par téléphone. Une autre là. Alors là, c'est une Matfor. Voilà. Dans son jus. Torpedo Donnel, très très bien restauré, joli, mais mes boiseries sont belles. Oh, le Shadow 2 ou Shadow 2, ça. Ouais. C'est une 2, ça, hein? Non? Ça doit être une 2. Ça fait luxe tout de suite. Voilà, ça. Une Sunbeam. C'est ça, je crois. Hein. C'est vrai que sur le coup, ça ressemble un peu à une Triumph. Mais non, c'est une Sunbeam. Jolie. Une MK2 qu'on voit très rarement. Une 3 litres 8. Voilà, ça c'est une 205 CT qui va rappeler des souvenirs à Caroline. En plus, c'est une CTI, c'est celle qu'elle voulait, mais bon, je vais essayer de lui voler, mais ça va peut-être pas être simple. Et puis une DS bien restaurée, sympa, belle couleur, intérieur cuir. Voilà, une Volkswagen. Jolie, toujours sympathique, la TR3 de Bernard, la petite nouvelle ou pas trop ancienne Fiat 850 Speeder. Couleur soleil qui va bien avec cette matinée. Alors voilà, j'ai la solution, c'est donc une MK5. Voilà, une belle, j'aime bien ces voitures-là, une belle, c'est une, en plus c'est une, oui voilà, c'est pareil, c'est une 280 SL, jolie, avec les flasques couleur de la carrosserie, voilà, et c'est une européenne. Bon, elle est très belle, c'est une Shadow 1, c'est rien, et c'est vrai que l'intérieur est très joli, le tableau de bord est très joli. On va sur les Porsche un peu plus récentes, mais pas tant que ça. La voiture un peu plus récente, Porsche MX, Mazda, etc. Et puis là, vraiment, ce qu'on préfère dans les anciennes, c'est une Austin Mellet. Toujours agréable MGA. Belle voiture, bien restaurée. Voilà, une belle sellerie, un beau tableau de bord, belle restauration.
Une TVR qu'on voit rarement. Et Diane, bien sympathique. Une des super. Et bien avec ce beau temps, ça s'anime. Il y a des voitures qui arrivent. Il y a une Alpine A310. Là, une Mustang cabriolet récente. Une V6 A310. L'intérieur. Voilà. Mustang, on a un pick-up fort de 100. Anime. Commence à arriver des voitures anciennes, un peu plus agréables que les nouvelles évidemment. Je dis quand même, dans les nouvelles, il faut reconnaître que la Aston Martin qui arrive, en plus qui est cabriolet, qui est une V12 Vantage, c'est quelque chose. Targa 2,7 litres, belle voiture. Bien, et ben arrive une Ferrari. Je connais pas grand chose dans les Ferrari, ça ressemble à une Modena. Peut-être quelqu'un me dira le contraire. C'est une autre Targa, très très jolie. Alors là, avec un intérieur à damier magnifique. Et que la verte qu'on a vue est très jolie. 993, dernière AR, me dit Bernard. Voilà, belle voiture. Bon, est arrivée une belle Cadillac, toute rutilante. Voilà. Bien longue. Elle aspire 59. Elle aspire son air. L'air frais rentre dans le moteur, fait tout le moteur et ressort par le dessus. Il y en a des heures de travail. Quitter Oudan, c'était une bien belle réunion, voilà. Avec des voitures de toutes sortes. Voilà, c'est une association qui n'est pas très vieille, mais qui commence à exister. Et ben voilà, à la semaine prochaine.